Jusque-là, nous avons bien parlé, mais vous n'avez pas répondu à ma question sur la sincérité de la collaboration de Katumbi et de Félix Tshisekedi. Katumbi, à chaque instant, quand on pose la question sur Félix, il dit, c'est mon frère et ami. Son frère lui propose de travailler avec lui, il lui propose quelqu'un d'autre. Et la semaine qui s'achève, il réunit des gens à Lubumbashi de tous bords pour implanter l'ensemble pour la République sur toute l'étendue du pays pour affronter les élections contre le même Félix Tshisekedi. Ici, Est-ce qu'il y a répondre sincérité? franchement à M. Don, je ne crois pas dans la sincérité de M. Katumbi, puisqu'il n'a jamais été sincère. Il a ses calculs, il veut à tout prix être président de la République et tous les moyens sont bons pour lui. Tous Le les moyens président, sont il bons pour lui. part au Katanga, il annonce sa candidature là où il y a M. Katumbi. Donc, ce n'est que normal. Le deux là ne joue pas franc jeu. Ils vont s'entretuer. On risque même de ne même pas Vous arriver aviez en par exemple 2023. au ministère de l'information qui était le porte, ce ministère, le ministre qui était là, je lui nomme à quel est le porte-parole du gouvernement, ne faisait rien. Tout le travail que le président de la République faisait, ce n'était pas divulgué plutôt, mais c'était les parlementaires debout qui le faisaient. Alors là, vous allez dire qu'il faut prendre ces gens, aller les remettre, aller le mettre comme des koulouna. Ce ne sont pas des koulouna. Ce ne sont pas des koulouna. Ce sont des gens qui, des précieux combattants, des précieux combattants Monsieur Hester, qui ont vous suivez lutté. religieusement là, donc vous êtes convaincu alors. Non, je Donc, suis, puisque je suis, quand je parle de je prends débordement, je sais. Ajay qui vous suit là, il est très calme, comme qui dirait, il dit amen à tout ce que vous dites là. Oui, mais là, il doit dire Non, Amen. mais ce Il n'y mec-là, a pas dans autre ce chose qu'il a à dire. besoin de ce genre-là par rapport à la rue. Mais s'il veut penser Congo, s'il veut réfléchir au Congo, il n'a pas besoin de ce genre-là. Si c'était moi le président de la République, j'allais prendre ces gens-là, leur amener là où il y a des koulounas pour faire le champ, pour participer à la construction du pays. C'est là où on a besoin de OK. ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils produisent? Si Oui. ce n'est pas des insultes dans les réseaux sociaux, si ce n'est pas dans des insultes dans les médias, tout ça. Mais c'est eux qui ont désacralisé même la présidence. Hein? Aujourd'hui, ils s'étonnent quand on manque du respect au président de la République. Mais c'est eux qui ont commencé avec ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Joseph Kabila, sur les institutions pour ne pas parler des individus? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. Les gens corroborent dans cette logique-là pour attaquer le président de la République. Si c'était moi le président de la République, j'allais prendre ces gens-là pour qu'ils soient importants et utiles, qu'ils partent travailler dans le Bonjour, champ. chers téléspectateurs de la voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. Merci de vous être branchés, comme d'habitude, dans notre émission intitulée Analyse et décryptage de l'actualité africaine et de sa diaspora. Aujourd'hui, nous aurons un thème principal, dit Analyse de l'actualité politico-sociale de dernières heures en République démocratique du Congo. Et ce thème sera subdivisé en deux. Donc, le premier sous-thème est le premier mandat du président Félix Tshisekedi en deux phases. D'abord, nous savons qu'il y a eu CACH-FCC. Et actuellement, nous parlons de l'UDPS, Lamuka, CACH et tous, ils sont dans la marmite appelée Union sacrée de la nation. Dans le même premier sous-thème, nous allons parler de la contribution des parlementaires debout, qu'on appelle parfois communicateur de l'UDPS au mandat du président Félix Antoine Tshisekedi. Et pour en parler, chers téléspectateurs et téléspectrices, j'ai des invités de la diaspora. Le premier, c'est Monsieur Ajay Wumbi Yambi. Il est membre de Congolese North SAPRES, c'est-à-dire Comité des Congolais du Nord de Chypre. En abrégé, CNC. Bonjour, monsieur Agé. Bonjour, monsieur Don Kaimbe. Alors, très heureux de vous retrouver pour la deuxième fois sur nos antennes. Et à côté de monsieur Agé Wumbi, j'ai monsieur Patrice Emery Chikoko, capitaine. Ce dernier est membre de l'UDPS, de la Fédération États-Unis d'Amérique. Bonjour, monsieur Emery. Oh, bonjour, monsieur Don, et bonsoir à monsieur Agé Oumbé. Merci Bonsoir, monsieur Tshikoko. à vous deux. Donc,
Je suis très heureux qu'on soit ensemble. C'est donc la présentation, cher professeur de Don Kayembe, de l'Union Pacifique sur la voie de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, la rédaction et la collaboration de lui-même. La conception de cette émission est de la voie de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, qui est diffusée sur www.lavdc.net. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord commencer par l'introduction, chers amis. Suivez-moi dans l'introduction et puis nous allons ouvrir le débat. C'était il y a 2 ans et demi, le président Félix Antoine Tshisekedi avait prêté serment comme président de la République démocratique du Congo. L'on avait assisté et pris des images, des accolades avec son prédécesseur Joseph Kabila, avec lequel il avait formé une coalition qu'on a appelée FCC Cash. Cette expérience politique aurait duré à peine 2 ans seulement, car aujourd'hui, cette coalition dite mariage FCC Cash, que les autres appelaient en son temps un mariage de circonstances. Et ce mariage est dissous. Nous sommes dans le divorce total. L'on a vu naître, après cette coalition, un regroupement et qu'on appelle Union Sacrée de la Nation, que l'on refuse d'appeler plateforme politique, mais la vision du chef de l'État. Depuis, l'on a vu le président Félix Antoine Tshisekedi se lancer sur la piste de la lutte contre la corruption, laquelle corruption s'était érigée en mode de gestion en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous constatons que les retombées se font voir car la finance commence à reprendre sa santé. Avec mes invités, nous allons maintenant aborder les déroulements de notre débat. Le premier point sera du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi en 2 phases. Chers invités, ma première question est donc celle-ci. Tous les observateurs de la vie politique congolaise ont constaté avec satisfaction l'exercice de la dissolution du mariage que d'aucuns appelaient mariage contre nature entre le FCC et Cash. D'une manière très douce et avec trop peu de dégâts, M. Félix Tshisekedi a utilisé son intelligence et sa sagesse pour mettre fin à ce mariage contre nature. Que dire de la nouvelle alliance avec Lamuka El Katumbi Bemba, car il y a l'autre Lamuka qui est animé par M. Martin Fayoulou et M. Mouzito. Vont-ils partager le bilan de deuxième partie du mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi? Car nous avons constaté avec étonnement que les Katumbistes disent que le bilan de cette mandature du président Félix Antoine Tshisekedi ne les concerne pas, raison pour laquelle ils sont retrouvés la semaine dernière à Lubumbashi pour peaufiner leur stratégie et essayer d'implanter leur parti, l'ensemble pour la République, sur toute l'étendue de la République, afin d'affronter avec toute sérénité les élections de 2023. Selon vous, en tant qu'observateur et analyste de la politique congolaise, quel est votre point de vue? Je commence avec M. Patrice Emery. Ok, merci M. Don. Bon, je pense avoir saisi. Premièrement, je voudrais dire que ici, mes points de vue ne représentent pas, je ne suis pas mandaté pour parler au nom du parti. Mais je parlerai à mon nom propre comme membre de l'UDPS, parce que chez nous, à l'UDPS, nous pensons et nous disons ce que nous pensons. Nous ne sommes pas liés à certaines choses ou contraintes pour ne pas exprimer nos points de vue. Je ne suis pas de la Mouka, M. Katumbi ou M. Jean-Pierre Bemba. Ceux qui voudront dire, je pense qu'ils sont libres de le dire, mais du moins c'est à nous, puisque si aujourd'hui on veut nous vendre quelque chose, on veut me vendre quelque chose, je pense que de moi-même je saurais que cette chose est bonne ou elle est mauvaise en testant, puisque ils sont au gouvernement, ils travaillent, il y a de vice-premiers ministres, ils ont des fonctions aussi importantes, mais quand ils diront qu'ils ne vont pas, ça c'est leur point de vue. En tout cas, ça n'engage que eux-mêmes. Je ne pourrais pas aller dans cette voie-là, à moins qu'il y ait quelqu'un de la Mouka El Katumbi qui soit en face de moi pour dire que non, voilà, il y a un débat contradictoire.
quand la chose arrivera. Donc, en cela, je ne pense pas que cela puisse vous déranger maintenant. C'est tout à fait normal. Pour moi, je trouve que c'est de bonnes guerres qu'il puisse s'agiter, voire 2023. En fait, la peur, s'ils font autant de bruit, c'est la peur de voir la réussite du président actuel, notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En fait, c'est la victoire, le succès cherchera, fera, c'est qu'ils puissent s'engloutir, absorber un peu leur aura et tout, pour que cela nuira certainement à leur candidature en 2023. Donc, c'est tout à fait normal pour que certains puissent s'agiter. Mais le bilan, pour moi, le bilan sera partagé. Puisque nous sommes dans... Oui, nous sommes tous dans l'affaire. OK. Alors, Monsieur Agé, qu'est-ce que vous en dites? Oui, par rapport à la question, je dirais ceci. Bon, il faut être républicain pour assumer cela. Parce que le mandat, que ce soit Lamuka, El Katumbi, ils ont intérêt à assumer ce mandat. Parce que comme... mon co-débatteur l'a dit, ils sont dans le gouvernement et puis ils ont des postes clés. Donc, ce n'est que normal qu'ils puissent assumer ces mandats. Mais le problème est que, quand vous-même, vous le constatez, même dans le dire de mon co-débatteur, vous sentez qu'entre eux, il n'y a pas de symbiose. Donc, c'est en même temps, quand nous suivons Katumbi, il dit qu'il est dans l'opposition, en même temps, il est au pouvoir. Nous comprenons cette logique qui découle même de l'UDPS lui-même, parce que vous allez le constater avant que nous puissions parler actuellement des Cash et la Mouka et la société civile qui est maintenant dans l'Union sacrée. Nous avons vu un UDPS au pouvoir, un UDPS à l'opposition. Donc, ils sont pratiquement dans cette logique-là. Ils se tapent l'un sur l'autre. Donc, on est un peu dans une confusion la plus totale. Et ce n'est que normal que nous constatons en 2023 que certains se désolidarisent à cette logique ou bien à cette structure qui est l'Union sacrée pour dire que, bon, voilà, les gens qui étaient allés là-bas, ils étaient allés de manière individuelle, ils ne nous engagent pas, voilà, voilà, ceci. Donc, déjà, ça commence, vous pouvez que constater la sortie de M. Katumbi. Vous allez voir que tout est clair. Tout est clair. Donc, ça serait difficile. Vous ne voyez pas qu'il y a une confusion, comme l'avait dit Agé. Il dit qu'il est dans l'opposition et se prépare avec acuité pour les élections 2023. Et il y a les membres de son parti politique qui participent au gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas confusion à ce niveau-là? Non, mais ce n'est que logique, parce que c'est lui qui a commencé ça, c'est le président de la République. C'est lui qui a commencé à faire la campagne avant la campagne. Mais maintenant, on ne parle pas de campagne, nous disons d'abord la confusion. Vous êtes dans l'opposition et en même temps, vous êtes au gouvernement. Est-ce qu'il y a une logique? Scientifiquement parlant, on dit non, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence là-dedans. Alors, M. Emery, est-ce qu'il y a un sens? Si on doit parler un peu logique, parlons un peu de sens. Katumbi dit qu'il fait l'opposition républicaine. Mais il a les ténors de son parti politique qui font partie du gouvernement Félix Tshisekedi. Bon, je pense, personnellement, j'ai eu à réfléchir sur surtout sur le cas du Congo, ou sur le cas de l'Afrique. Je parlerai. Puisque je vois qu'en Afrique, on nous a imposé une certaine chose. On nous a imposé la majorité présidentielle et l'opposition. Donc là, ça devient difficile quand on est opposant de travailler. Ce que nous voyons des gouvernements, que ce soit des gouvernements au niveau de l'Italie, on peut voir des gouvernements au niveau d'Israël, où l'opposition, à un certain moment, travaille avec le pouvoir, mais ils sont toujours de l'opposition. Mais prenons notre cas. Nous étions forcés, puisqu'il n'y a pas de différence avec ce qui s'était passé entre FCC et Cash et ce qu'il y a aujourd'hui, si on veut rentrer dans le fond. Pourquoi je le dis? C'est parce que l'UDPS en soi, ou
le parti au pouvoir, si je peux le dire, puisque s'il faut, si qu'on puisse dire le parti au pouvoir, donc nous avons la présidence et la République. L'UDPS a la présidence et la République, puisqu'on n'a pas eu ce pouvoir où le Parlement nous est acquis et tout cela. Donc, ça posait problème. Mais du côté de... Là, je réfléchis, hein, je réfléchis dire réellement ce que je pense. Moi, je trouve que il y a trop d'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie puisqu'on ne peut pas être au pouvoir et en même temps vouloir être opposant. Et je me pose un peu beaucoup de questions, de savoir de la sincérité, comment les choses vont évoluer dans les jours qui viennent. Puisque si Félix Tshisekedi est un adversaire politique et que nous disions que nous voulons avancer avec pour l'intérêt du pays. Mais demain, nous affûtons aussi pour les élections, combattre celui qui est là. Je ne vois pas comment les choses peuvent évoluer. Alors, je trouve qu'il y a, à moins que ceux qui sont allés, comme mon co-débatteur venait de le dire, à la fin, ils diront qu'ils ne nous ont pas engagés. Donc, celui qui est là, M. Christian Mwando, ne m'a pas engagé. Celui qui est là ne m'a pas engagé. Si M. Bemba aussi prend aussi part de cette, il prend cette voie, donc Mme F. Bazaïba ne m'a pas présenté. Et en ce moment-là, on pourra comprendre, mais du moins, ça peut sauter aux yeux, surtout avec le MLC, on n'a pas vraiment de quoi jusqu'à présent, mais surtout avec ceux de Katumbi, on sent, puisque ça, on pouvait le sentir dès le début. Hein, ces va-et-vient, ces prises de position et tout cela, on sentait qu'il y a quelque chose de pas clair qui était là. Mais malheureusement, il faut y faire avec, puisque vous savez que l'UDPS n'a pas eu la majorité au niveau du Parlement, et c'est comme ça. Donc, la politique de foi, on est avec un ennemi ou avec un adversaire politique qu'on évolue. C'est ça. Alors, M. Agier, selon les indiscrétions, Félix Tshisekedi propose la primature à Katumbi. Katumbi dit non, je vous propose un jeune qui peut aller cheminer avec vous, que vous connaissez bien. On parle de Samy Lokonde. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vraiment il y a sincérité jusque-là dans la collaboration ou bien dans le mariage Katumbi qui appelle Tshisekedi à tout moment mon frère et ami? Mais quand il faut maintenant aller travailler ensemble, et dire, je te donne quelqu'un d'autre avec qui je vais travailler, et il réunit les gens de l'ensemble pour implanter le parti sur toute l'étendue de la République afin d'affronter les élections de 2023. Agir. Oui, mais en vrai, l'IDPS n'a jamais joué franger. Qu'on se le dise, parce que ce n'est pas aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec Katumbi. Vous oubliez déjà Kamere, vous le mettez dans les oubliettes. Nous parlons c'était de Katumbi, avec lui, le nous sommes spécifiques Katumbi et Félix, ne parle pas de Kamere, s'il vous plaît. Je suis en train de rabrouiller la chose pour arriver dans la... Allez-y alors. Vous pouvez me laisser poser mon argumentaire. Donc, je disais ceci, l'IDPS ne joue pas franger. Le problème est que, eux tous, ils sont déjà dans la logique 2023. Tout ce que nous voyons là actuellement, que ça soit l'UDPS, que ça soit les gens de Katumbi, vous pensez que c'est en vain que Katumbi a refusé d'être premier ministre du président de la République? Et puis, j'aimerais rectifier quelque chose. Sam Lokonde n'a pas été proposé par Katumbi. Moi, je vous informe, selon les indiscrétions, il a été proposé par Katumbi. Allez-y. Non, mais moi, j'ai suivi certains membres de Katumbi refusent cela. Oui, bah, ce sont les membres, moi je vous dis, ça devient d'une source sûre des indiscrétions. Allez-y quand même. Oui, donc c'est un peu ça le problème. Le 2, que ce soit l'UDPS, que ce soit Katumbi, ne joue pas franger. Et puis Katumbi le sait, il ne va pas se laisser rouler. Parce qu'ils ont déjà vu dans le parcours comment nous avons évolué depuis Genève, le FCC, aujourd'hui on parle avec l'ensemble, tout ça, chacun est en train de réfuter ses armes pour attaquer 2023. Voyez-vous. Donc, quand la confiance n'y a pas, je c'est difficile que les gens puissent corroborer ensemble.
Je pense intervenir là un tout petit peu, essayer un peu de recadrer, si je peux le dire ainsi, mon frère âgé. Dire que l'UDPS ne joue pas franc jeu, ça je dirais totalement non. Vous avez parlé de Genève et tout cela. Il faut comprendre que dans cela, c'est l'UDPS qui a failli être roulé. L'UDPS a failli être roulé. Puisque je connais quand même comment les choses se sont évoluées. Si on veut rentrer pour prendre Genève et on va aller à Nairobi. À Genève, vous savez, avant qu'ils puissent aller là-bas. Et quand ils se sont tous mis ensemble, c'était le parti politique qui a l'ancrage politique, l'ancrage au niveau du pays. Là, c'était bien l'UDPS. Il n'y avait aucun parti politique qui pouvait égaler l'UDPS. Et les choses étaient ainsi. Et quand ils se sont déplacés pour aller, en fait, les choses devaient se passer en Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud n'ont pas voulu. Et puis, vous savez comment cela s'est passé. Ils ont été enfermés dans un hôtel. Et on a eu le scénario qui a eu. Mais il y a aussi la base de l'UDPS que nous avions voté Félix Tshisekedi comme président du parti. C'était pour qu'il aille représenter le parti. Alors, il s'est avéré qu'il y a eu ce qu'il y a eu. L'UDPS, comme tel, n'était pas contente. Donc, l'UDPS devait endosser celui qui devait être candidat président de la République. Et il n'y avait pas un autre candidat que l'UDPS avait choisi, si ce n'est que c'était Félix Tshisekedi. Là, nous connaissons cette histoire. L'UDPS, en réalité, s'est fait rouler. Mais heureusement, les choses ont tourné en notre faveur. Mais quand on va voir le cas Cameroun au niveau de Nairobi, il faut que nous puissions être francs envers nous-mêmes. Les clauses étaient celles-ci. Ouais, la clause était celle-ci. Nous rentrons au pays, nous battons campagne. Quand nous avons cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale, vous allez être Premier ministre et l'autre sera président de la République. Et ça, c'était un acquis puisqu'ils se sont mis d'accord sur ça. Selon ce qui était. Et après, ce que nous avons aussi entendu que les autres devaient que l'UDPS c'était 5 ans et puis 5 ans. Ça sont des accords. Mais au moment où nous arrivons au niveau du pays, nous n'avons même pas eu 50 députés sur les 500. Mais vous dites que l'UDPS ne respecte rien. L'UDPS ne joue pas franc jeu. Et nous avons vu comment les choses ont évolué. Monsieur Kamer et comment il a joué son jeu. En réalité, c'est cette hypocrisie dont je suis en train de parler, même avec M. Moïse Katoum. Donc là, je voulais un peu corriger cette histoire-là. Bon, en fait, il n'y a rien, vous ne me corrigez pas, parce que l'IDPS se déroge toujours à la règle. Parce que nous avons tous suivi le président de la République dire qu'il était démocrate, parce que la question de Genève était devenue une question électorale entre eux. Si l'IDPS savait que M. Félix Tshisekedi devait être leur candidat, mais pourquoi ils ont autorisé que Félix se retrouve là-bas? M. Félix s'est retrouvé là-bas et puis on nous dit que c'est lui qui a proposé cette logique-là qu'il puisse aller dans un vote. Et autour du vote, M. Félix Tshisekedi, le président de la République actuel, a échoué à ce vote-là. Et puis nous l'avions suivi faire des commentaires comme que je suis démocrate. Je respecte cela. Mais avant cela, vous allez vous souvenir avec moi que, avec l'opposition tous ensemble, M. Félix lui-même a pris la parole pour dire que Toboi, Makambu, Oyo, Aleki, Baninga, na base, tout ça. Non. C'est lui que nous allons choisir. C'est lui qui sera notre candidat commun. Ah, ça, c'est le passé. C'est un faux débat parce que nous. Non. Oui, nous l'avons tous observé. Mais qui pouvait croire que Fayulu devait faire ce qu'il a fait là? Nous devons parler de ce passé-là. Parler de l'ancrage de notre parti, dire que c'est un faux débat, moi je dis non. Non, mais ça, parce qu'à ce moment-là, ce n'était plus question de l'ancrage, c'était question de Congolais, tout le Congolais. Oui. Tous les Congolais. Un candidat commun de l'opposition. Oui, quel est ce candidat? Puisque nous n'allons pas prendre un candidat qui n'avait pratiquement pas la force de remporter la chose. Le candidat, c'était Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
C'était ça. Mais quand ils sont allés, ils se sont mis ensemble. Il y a eu, puisque il ne faut pas prendre une histoire et rejeter l'autre. Vous savez ce qui a été dit. Je prendrai Monsieur Martin Fayou. Qu'avait-il dit? Quand on lui a posé la question, mais vous étiez allé là-bas, pourquoi tu parles à un autre pour qu'il puisse te voter en trahissant ton frère? Qu'est-ce qu'il avait répondu? Alors, bah, qu'est-ce que c'est technique? Vous voyez un peu, quand déjà... C'est pas la politique, hein? Oui, c'est ça la politique. Dans la politique, je peux me rétracter quand je trouve que ça ne va pas. Il s'est rétracté, c'est tout à fait normal. Et Félix Tshisekedi, il n'a pas été le premier à le faire dans le monde politique. Donc ça, chers amis, jusque-là, nous avons bien parlé, mais vous n'avez pas répondu à ma question sur la sincérité de la collaboration de Katumbi et de Félix Tshisekedi. Katumbi, à chaque instant, quand on pose la question sur Félix, il dit « c'est mon frère et ami ». Son frère lui propose de travailler avec lui, il lui propose quelqu'un d'autre. Et la semaine qui s'achève, il réunit des gens à Lubumbashi de tous bords pour implanter l'ensemble pour la République sur toute l'étendue du pays pour affronter les élections contre le même Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y a sincérité? Oui, monsieur Don KMB, je ne sais pas. Parce que, bon, ce sont des hommes politiques, hein. Si vous voulez observer comment ces gens évoluent, regardez leur base, en vrai dire. Parce que M. Katumbi, il a été attaqué, vous allez le constater avec moi, depuis quand il y avait les consciences ou bien les consultations du président de la République avant l'Union sacrée. Vous allez écouter la base de l'IDPS dire que Katumbi a fait ceci, Katumbi a fait cela, des insultes dans les réseaux sociaux. Tout cela, et ce n'est que normal, et aussi puisse répliquer, voyez-vous. Et puis nous observons que pendant que les gens sont en train de réfléchir comment structurer la chose, comment donner le social au peuple congolais, nous observons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il est en pleine campagne, qu'on se le dise. Et l'autre, quand vous pensez qu'est-ce qu'ils vont faire? Il ne peut que répondre aussi. Le président, il part au Katanga, il annonce sa candidature là où il y a M. Katumbi. Donc, ce n'est que normal. Les deux, là, ne jouent pas frangés. Ils vont s'entretuer. On risque même de ne même pas arriver en 2023. Je voudrais dire à M. Oumbi qu'il y a une chose. Dire que le président de la République est déjà en mode campagne électorale, bon, je ne sais pas si on le dira aussi de Joe Biden ici, puisque Joe Biden venait de prêter serment il n'y a pas longtemps, mais il a parlé de sa candidature dans 4 ans. Donc, je ne pense pas que cela soit un problème. C'est un homme politique et on se pose tant de questions sur ça. Il peut parler que je me représenterai, puisqu'il est président de la République. La Constitution lui donne 2 mandats. Alors, s'il a un mandat, il consomme le premier mandat, il a le droit d'en consommer le deuxième. Mais avec M. Katumbi, parce qu'il faut savoir d'où nous venons, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas révéler, mais du moins, nous sommes cadres de ce parti et nous savons comment M. Katumbi opère. Et l'influence qu'il a voulu avoir même sur notre parti, ça, en tant que politique, il se mettra debout, vous lui poserez la question, il dira qu'on m'a accusé, que je voulais acheter l'UDPS, faire ceci, faire cela. Mais je peux vous garantir que c'était ça la chose. Et ici, répondre franchement à M. Don, je ne crois pas dans la sincérité de M. Katumbi, puisqu'il n'a jamais été sincère. Il a ses calculs, il veut à tout prix être président de la République et tous les moyens sont bons pour lui. Tous les moyens sont bons pour lui. Mais je ne crois pas dans sa sincérité. Le président de la République est là. Ceux qui veulent travailler aujourd'hui pour l'intérêt de la nation, comme vous le voyez, nous avions manqué pendant tout ce temps
un chef d'État avec cette volonté politique d'essayer de vouloir améliorer les choses. Mais si on ne peut pas se mettre ensemble pour chercher à donner un peu le minimum aux Congolais, oui, qu'on cherchait à ce que, qu'on puisse être à sa place, ça pose déjà problème. Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas, moi je ne crois pas dans cette sincérité. Mais il y a une chose qui peut aider, c'est, puisque ceux qui sont au gouvernement, qu'ils viennent de Lamuka, qu'ils viennent de MLC, qu'ils viennent même de l'UDPS, en tant qu'homme d'État, je pense que l'intérêt primordial ou l'intérêt principal, c'est celui du peuple congolais. Et s'ils se détachaient un peu, c'est difficile puisqu'ils sont aussi politiques, mais s'ils essayaient un peu de voir, de se sacrifier pour l'intérêt de la nation, je pense que quelque chose pourra être fait. Et demain, même s'il y a élection, chacun pourra se prononcer. Nous pouvons aller sur des bases qui seront bonnes. Exactement. Oui, monsieur Agé. Oui, mais je pense que même les gens de l'ensemble, ils disent pareil, que vous aussi, l'IDPS, vous n'êtes pas sincère. Ici, vous me rappelez l'histoire des... Nous l'avons dénoncé, il y a de cela belle lurette, que Katumbi voulait acheter l'IDPS. Mais bon, je me sens confortable. C'est son mot, c'est modus operandi, donc il est connu comme ça. Vous le dites, non, mais hier, ils ont rabroué cela. Mais aujourd'hui, il accepte pour dire que oui, effectivement, c'était son plan. Maintenant, c'est bon ça. Okay. Si vous me suivez, ça a toujours été mon point de vue, parce que là, nous le savons. Pour je m'excuse, est-ce qu'on peut évoluer? Je pense qu'on a tourné sur le même point. Nous voyons sur place à Kinshasa, les parlementaires debout, ils sont fourrés au moulin pour vendre dans le public les actions du chef de l'État, le projet du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en dites, M. Agé? Est-ce que vous voyez cette méthode de communicateur de l'UDPS aider le président à donner l'information à la population et aussi sécuriser son élection de 2023, M. Agé? Monsieur Méry, excusez-moi, je vais vous décevoir. Je sens que vous êtes quelqu'un de très posé, mais sur ces... Sur ce point, excusez-moi de dire que le parlementaire debout n'aide pas le président de la République. Parce qu'ils font pratiquement le contraire. Monsieur le président lui-même, il a parlé de son mandat. Il a dit que cela a été mitigé. Je ne sais pas dire mieux que par rapport à ça. Lui-même, dans son discours. C'est là où j'ai dit que monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un homme sincère. C'est un homme honnête. Il a dit ça. Mais quand nous observons les parlementaires debout, et ils nous chantent autre chose pour nous faire rêver, et pourtant la réalité, elle est autre. Le président lui-même, il reconnaît que le mandat, son premier mandat, la moitié de son mandat a été mitigé. Même les parlementaires le disent que c'était mitigé à cause de FCC, ils le disent aussi. Oui, effectivement, mais tout cela, nous le mettons en compte. Nous le mettons en compte, c'est sous son mandat à lui. Personne ne lui avait demandé de cohabiter avec l'FCC. Parce que depuis lors, belle lurette, nous étions en train de dire à M. le Président, il faut se désolidariser de ces gens. Mais voilà, il nous a compris. Pendant que les parlementaires debout, ils étaient en train de chanter. Kabila, ils étaient en train de chanter. L'FCC, ils étaient en train de chanter. Kagame, nous disons au Président de la République, Président, faites attention. Ces gens-là ne sont pas venus construire avec vous. Mais ils sont venus vous détruire. Voyez-vous. Parlons des parlementaires debout, M. Agé. Bon, vous avez parlé du bilan et en même temps, le parlementaire debout. J'étais en train de parler par rapport au bilan. Voyez-vous. Mais... Associer ce bilan-là à l'action de parlementaire debout, c'est une action aussi qui peut contribuer positivement ou négativement Il ne contribue à rien. Il ne contribue à rien. Le président de la République, c'est un homme seul. C'est un homme seul. Emery. Ces gens-là ne contribuent à rien. Par rapport à ces parlementaires debout, ces gens, ils ont pratiquement, ils ont pratiquement écorné même l'image de la présidence de la République. Mais ils sont en train de galvaniser quand même la population pour le soutien du président de la République. Mais
Non, même pas. Mais, monsieur le président de la République, il a besoin de ces gens-là par rapport à la rue. Mais s'il veut penser Congo, s'il veut réfléchir Congo, il n'a pas besoin de ces gens-là. Si c'était moi le président de la République, j'allais prendre ces gens-là, leur amener là où il y a des coulounes pour faire le champ, pour participer à la construction du pays. C'est là où on a besoin de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils produisent? Oui. Si ce n'est pas des insultes dans les réseaux sociaux, si ce n'est pas dans des insultes dans les médias, tout ça. Mais c'est eux qui ont désacralisé même la présidence. Aujourd'hui, c'est ton camp, on manque du respect au président de la République. Mais c'est eux qui ont commencé avec ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Joseph Kabila, sur les institutions, pour ne pas parler des individus? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. Les gens corroborent dans cette logique-là pour attaquer le président de la République. Si c'était moi le président, j'allais prendre ces gens-là pour qu'ils soient importants et utiles, qu'ils partent travailler dans le champ. Je peux intervenir? Allez-y. En tout cas, je ne suis pas déçu. Je suis toujours posé. Vous voyez, je suis en train même de sourire, là, puisque ça, c'est juste une égratignure, c'est rien. Le parlementaire debout fait un travail excellent. Vous savez, l'UDPS, je dirais, le président de la République est le fruit de l'UDPS. L'UDPS est le plus grand parti politique au Congo. On peut nous accuser de beaucoup de choses, mais c'est le plus grand parti politique au Congo. Ancrage national. L'UDPS est organisé et a des structures officielles qui représentent l'UDPS. Et au sein du parti aussi, ou au parti, il y a des sympathisants et nous avons aussi des fanatiques. Et si je puis le mettre dans la catégorie des fanatiques, je peux prendre les parlementaires debout qui ont fait, quand je le dis, ils ont fait un travail excellent. Aujourd'hui, ceux qui essayent d'imiter le parlementaire debout ne sont pas calcinés vivants. Et aujourd'hui, avec ce travail des parlementaires debout, nous n'avions pas tenu les armes pour véhiculer le message, faire changer les choses. C'est par ce courage-là que les parlementaires debout ont fait le travail et ont donné des informations. Je peux juste vous donner l'exemple du FCC Cash. Pour dissoudre FCC Cash, la communication que les parlementaires debout étaient en train de faire, surtout quand ils disaient que voilà, on dissout les parlements et que si vous blaguez, nous allons aller là-bas. Et d'ailleurs, ils ont même joué un grand rôle. Ils sont allés là-bas pour dissuader empêcher les parlementaires pour qu'ils puissent faire leur travail. Nous avons vu des gens armés, mais ce sont les parlementaires debout qui sont allés. Quand la démocratie ou même cette alternance était déjà en danger, ce sont ceux-là que vous jugez inutiles qui se sont levés pour aller contrer. Ils font leur travail, c'est vrai. Mais le travail qu'ils font en soi, ils véhiculent le message. Quand vous aviez, par exemple, au ministère de l'Information, qui était le ministre qui était là, je lui nomme à quel est le porte-parole du gouvernement, ne faisait rien. Tout le travail que le président de la République faisait, ce n'était pas divulgué plutôt, mais c'était les parlementaires debout qui le faisaient. Alors là, vous allez dire qu'il faut prendre ces gens, aller le mettre comme des koulounas. Ce ne sont pas des koulounas. Ce ne sont pas des koulounas. Ce sont des gens qui, des précieux combattants qui ont lutté. Vous êtes religieusement là, donc vous êtes convaincu alors? Non, je suis, quand je parle de débordement, Ajay qui vous suit là, il est très calme, comme tu dirais, il dit amen à tout ce que vous dites là. Oui, mais là, il doit dire amen. Non, mais ça il n'y a pas autre chose à dire que dire amen. Parce que ça n'a jamais été évident, faire un débat républicain devant un membre de l'UDPS pour une première fois. Mais bon, je suis en train de le suivre religieusement, mais il n'y a rien qui m'impressionne dans tout ce qu'il dit. OK, alors là, donc vous êtes convaincu, alors, monsieur Méry, il est convaincu du travail. Je peux le voir, même s'il dit autre chose, mais de body language. Je vois qu'il est convaincu.
Ok, non, merci. non, non, je ne suis pas convaincu, monsieur Donc, quand même, je persiste, je continue à le dire que ces gens doivent aller faire le champ. Je n'ai pas dit qu'ils étaient de Kuluna, mais ils doivent aller faire le champ. Parce qu'ils sont pas productifs. Oui, on évolue, on a trop de matière. Mais non, mais monsieur. Monsieur Emery. Monsieur Don, juste une minute. Juste une minute. Quand les parlementaires debout se mettent debout, puisqu'ils ont toujours été debout, depuis que le vieux Paul Capita avait institué debout, la vous chose. Vous racontez quoi? Non, non. Quand ils disent que la machine. Non, non. Quand ils disent. Quand ils se sont mis debout pour accuser le FCC de blocage, Sélé Yagouli, tout ce beau monde-là, de magouille, de ceci et cela, en quoi est-ce que c'était faux? Quelle est la partie qui... Puisque je reconnais deux fois qu'il y a des débordements qui se font. Et c'est tout à fait normal presque partout. Vous n'allez pas contrôler tous les enfants. Pensez-vous que ces parlementaires debout sont mieux informés que le président de la République lui-même? Lui-même, il ne savait pas qu'il y a un blocage. Non, ça je ne dirais pas. Le président de la République, c'est la personne la mieux informée du pays. C'est peut-être. Alors, mais nous tous avons constaté non. Cela. L'IDPS n'avait oui, pas. Oui, mais je suis en train de dire. Non, vous pouvez constater. Bon, vous pouvez constater. Mais il y avait des gens avec qui nous débattions à Kinshasa qui disaient non, il n'y a pas de. Chers amis, on avance, le temps nous fait défaut. Bien, alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Donc, je voulais dire que. En termes de conclusion, la richesse d'un débat démocratique est que les avis sont multiples et doivent être entendus venant de tous bords. Ce qui est nécessaire, c'est finalement la voix de la raison qui doit primer. C'est la voix de la raison qui doit être entendue et surtout protéger la minorité. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci, M. Ajay Humbi et M. Patrice Emery Chitoko. Je vous remercie et j'espère que je vais vous retrouver très très prochainement dans un autre numéro et à la prochaine. Merci M. Donkaïmé. Bien, chers téléspectatrices, téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Donc, comme on le disait, encore une fois, un débat démocratique doit être un débat de tolérance, un débat de partage d'idées. Merci et à la prochaine, dans un prochain numéro. Ciao.